Marine. Je vais faire ta connaissance. Moi aussi. On va faire les essayages. Cool. Ça va. Ouais. Et donc la deuxième est là. La deuxième est là, mec. Okay. Alors là, on va essayer sur toi. C'est la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on fait une fois. Je pense qu'on va déjà faire les essais. Ouais, on fait déjà. Et après, okay. on va voir après au mieux ce qui me plaît. En tous les cas, les couleurs et tout, ça rend bien. Hein. Hein, c'est bien, hein. Oui, c'est très joli le tissu. Ouais. J'aime beaucoup. Et ce qu'il faut voir surtout, c'est de loin s'il est bien visuel. Parce que le rouge, il est forcément visuellement impactant parce que c'est rouge. Oui. Celui-ci, il faut vraiment de loin, mais je pense que oui. Hein. Oui, on voit même de loin, on voit bien les fleurs. Parce qu'il est foncé, il est foncé. Parce qu'au début, j'avais fait trop clair. C'était trop clair, je m'en doutais, c'est parce que je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas du tout. Pour ça, je m'enlève les épingles, je les mettrai après. Ouais. On te laisse te changer. Voilà. Il est super. Il est très joli. Là, ça va être foncé et là, ça va être tout ça. Je vais mettre dans le bas. Donc, ça, c'est pour le bustier. Et donc, tu fais le mouvement un peu comme ça aussi. Voilà. Hein, donc, faire le bas plus le mouvement. Non, c'est super ça. Voilà. Dans l'ordre, elle aura ça, elle l'aura dès le début. Donc, au niveau scratch, on s'en fout puisqu'elle l'aura. Ah oui, donc on s'en fout effectivement, les scratchs. Puisqu'elle va l'enlever. Donc, c'est facile à enlever. Il faut qu'elle l'enlève toute seule. Mm-hmm. Et après, elle a, on va dire, une minute, maximum une minute pour remettre l'autre. Ouais, donc c'est-à-dire que si elle. Elle va mettre celle-là en deuxième. Ouais. Et après, il faut qu'elle rebascule sur celle-là ou qu'on trouve une autre solution parce que elle passe. Ça, c'est sa robe du quotidien de petite bourgeoise, on va dire. Et après, elle passe la robe de bal. Et après, elle revient au quotidien et elle devient de plus en plus pauvre. Donc, tu vois, on va lui mettre un tablier, on va lui mettre un châle, on va lui mettre un fichu, etc. Mais donc, dans l'ordre, en 1, c'est la robe. En 2, c'est la robe de bal. Et après, l'idéal, ce serait qu'elle puisse remettre celle-là. L'idéal. Commencer à faire les costumes là 10 ans. 10 ans. 10 ans. Pour la compagnie de Sébastien ou pour l'école? D'abord pour l'école, pour ma fille. Ouais. Hein, parce que ma fille faisait les concours, donc j'ai voulu faire un tutu. Mmh. Donc j'ai dit, je suis pas plus bête qu'une autre, genre je vais m'y mettre. Donc je vais faire son tutu de la Bayadère. Et de là, monsieur m'a lissé, vu que je me débrouillais très bien. Donc, il m'a embauché pour faire tous ses costumes. Pour le gala, on fait 300 costumes à peu près. J'aime mieux travailler dans la création que de faire toujours les costumes, de faire une dizaine de costumes identiques. Moi, j'aime bien en fait créer quelque chose et le faire à ma façon, même s'il faut que je remodifie un patron. J'ai bien mis 10 heures à peu près pour les deux parce que j'ai commencé, j'ai coupé celle-là hier, j'ai coupé celle-là jeudi et je l'ai faite aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on a les bonnes mesures, c'est bien. Comme là, c'est vrai que comme j'avais déjà toutes les mesures, c'est pratique parce que sinon après, pour faire les retouches, c'est pas évident. Ouais, d'accord. Parce que là, on va faire qu'un essayage. Que quand t'as pas forcément les... Là, on est pris par le temps, c'est un peu c'est un peu le défi de ce spectacle, c'est qu'on est pris par le temps de tous les côtés. Parce qu'après, donc voilà. C'est pas toujours évident. Bon super. Bon, en tous les cas, merci pour ton travail. Hein. On attend de voir le résultat final et puis de voir comment il danse dans cette robe de bal. En tous les cas, merci pour lui. Voilà. Côté, ton dos bouge pas. Ouais. Laisse partir un peu le buste du côté de la jambe. Ouais. Et tu le retiens en gros avec ce bras opposé. Si on le fait. Ah. Ah. Et. Ah. On va faire qu'un seul pas à la fois. Fais pas les deux, trois. Et un seul pas. Ah.
Le métier de comédien, c'est de, au-delà de la technique qu'on apprend en école, du jeu théâtral, de l'interprétation, d'intégrer un rôle, c'est de découvrir d'autres univers. Et chaque projet apporte une nouvelle touche. Et là aujourd'hui, donc, c'est la danse pour Aurélie et Erwan. Ça peut être le chant, ça peut être l'équitation, l'escrime, beaucoup dans les spectacles. Et c'est ça qui nous fait plaisir aussi, c'est de se confronter à un autre univers pour enrichir sa palette et puis découvrir une autre forme artistique. Et pour les comédiens, la danse n'est pas si évidente. Alors moi, c'est très compliqué pour moi, les chorégraphies, d'apprendre la rythmique. Mais là, Sébastien est un très bon prof. Et ça va, ça, il faut que ça rentre dans le corps. Il faut que ma mémoire corporelle arrive à intégrer les pas de valse. Et c'est quoi le plus dur ? Le plus dur, c'est de ne pas penser, de se laisser guider. Voilà. Dans le miroir, et dès que tu es dans le miroir, tac, tu fais juste un tour. Et hop, pour te regarder, tu es bien content. Et hop, la coquette, tu vois. Ah, oui, bah voilà, tu vois. Hein. Et hop, tu tournes le bras. Si on n'arrive à rien, on fait juste un baisement, classique, soit on fait un baisement déjà révérence, danse, etc. Je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire. Pour ça, je ne sais pas ce que ça peut. Voilà. Moi, je préférerais que ça soit un mouvement un peu danse. Tu vois. Et après, ils se tiennent bien, ils sont grands, hop, ils descendent dans le rythme de la marche, dans le rythme de la marche. Comme ça. Même si le deuxième pied ne suit pas, 2, 3, et 1, 2, 3. Voilà. Eh bien écoute, c'est pas évident, c'est un truc sur 3 temps, mais comme je suis décérébré, j'ai une aisance naturelle pour la danse en fait. Comme je ne réfléchis pas depuis la naissance, c'est beaucoup plus facile. Qu'est-ce qui t'angoisse? Qu'est-ce qui m'angoisse de danser devant des gens déjà? C'est comme apprendre à conduire, je trouve que c'est quelque chose qui est complètement différent. Il faut avoir les temps. C'est compter et synchroniser bras et jambes. Et c'est plus difficile pour Aurélie parce qu'elle doit danser toute seule. Donc elle doit inverser ses bras. Ce qui paraît simple pour quelqu'un de lambda quand il ne réfléchit pas, mais dès que tu réfléchis, ça devient compliqué. Oui, c'est possible. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tu vois ? On va voir, on essaye. C'est mieux, c'est mieux. Ah.